Hello, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques mois de cela, j'ai fait 40 jours de jeûne. C'était une expérience incroyable. Du coup, je me suis dit, je vais le partager avec vous. Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi je l'ai fait, comment ça s'est passé et le après. Je vous laisse avec le générique et on passe à la suite. To God be the glory for all of the things that he's done. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire une grosse dédicace à tous les papas dans le monde. J'envoie de la force à tous ces pères responsables, tous ces pères qui travaillent très dur pour que leur famille ne manque de rien. Quand je regarde mon père, quand je regarde mes oncles, quand je regarde les papas dans l'église, dans toutes les églises où on peut aller, quand je regarde les pères de mes amis, je vois vraiment qu'on est entouré des hommes capables. Franchement, force à vous, que Dieu vous bénisse vraiment. Et à tous ces pères qui fuient leurs responsabilités, revenez à la raison, mais vraiment que Dieu vous fortifie. La vie n'est pas facile. Jésus n'a jamais promis que ce serait facile. Prenez courage et voilà. Parce qu'il y a une génération qui vient après vous, il y a des gens qui vous regardent. En tout cas, vous êtes des exemples pour nous. Continuez à faire le bon travail et c'est comme ça que ça va continuer de génération en génération. C'est un truc qui va souvent arriver, ça, des petites dédicaces pour vous donner de la force, pour vous encourager. Donc, au mois de décembre, donc fin novembre et tout le mois de décembre, j'ai fait un jeûne de 40 jours. Faut savoir qu'avant de faire ce jeûne, je vivais un désert incroyable dans ma vie spirituelle. Donc, c'est-à-dire, ceux qui ne comprennent pas ce terme, un désert, c'est quand tu n'arrives pas à y voir clair, tout est flou. C'est vraiment en mode en stand-by. Je dirais pas que rien ne va. Parce que franchement, ma vie genre physique allait bien, dans le sens où je manquais de rien, je pouvais des fois voyager, mais c'est là où j'aimerais montrer aux gens que vivre sa best life, c'est pas que sortir, voyager et tout, c'est tout d'abord être bien dans ton esprit en fait. Et le truc, c'est que j'arrivais pas trop à prier, il y avait des hauts et des bas, donc je me disais que franchement, je vais pas continuer comme ça. Donc, faut savoir qu'à la fin de l'année 2018, vous savez, comme on a l'habitude de le faire, quand une année touche à sa fin, une nouvelle année commence, on fait des déclarations, on consacre notre année entre les mains de Dieu. Je l'ai fait, tout ça, ça n'a pas manqué. Maintenant, le truc, c'est que Dieu a sa part, mais on a aussi notre part. Si on ne fait pas des efforts, rien ne va se passer. J'étais bien entourée, j'avais mes mentors, j'avais mes parents, j'avais l'église, la jeunesse à l'église, ça se passait très bien et tout. Mais la prière commune, elle est importante, mais seule, c'est encore plus important. À partir d'octobre, c'est là que les choses ont commencé à changer. Je suis partie aux États-Unis pour une convention dans l'église All Nations à Atlanta. Avant d'aller, j'ai fait... Seigneur, en fait, allez, mon année était un peu bizarre, je peux pas finir mon année comme ça. Il faut que quelque chose de divin se passe. Donc je me suis dit, je vais faire confiance à Dieu. Je lui ai dit, envoie-moi pas quelqu'un, mais une situation qui va me relever, qui va faire en sorte que tout... Il y a un shift en fait. Il faut savoir qu'une très grande partie de ma famille est dans cette église et à chaque fin d'année, ils font 40 jours de jeûne. J'en avais déjà entendu parler auparavant. Je trouvais ça intéressant, mais j'avais pas cette conviction que je devais le faire. Faire un programme de jeûne, c'est très important, mais si vous n'êtes pas convaincu, si Dieu vous a pas dit de le faire, ça sert à rien, sinon vous le faites en vain. C'est vraiment un événement très important dans la famille parce que tout le monde en parle, il se prépare parce qu'il faut se préparer physiquement, spirituellement. Parce qu'il faut savoir que quand on jeûne, il faut avoir des guidelines, des directives, donc des points de prière, des versets. Moi, quand je jeûne, personnellement, genre seul, j'ai toujours des passages, je cherche. Il faut faire des recherches, c'est vraiment comme si tu préparais un cours en fait, ou une présentation, je vais dire. Tu dois vraiment savoir pourquoi tu jeûnes, parce que jeûner juste pour jeûner, ça n'a pas de sens. Le programme là des 40 jours, il est tellement bien préparé, donc il y a des points de prière, des passages bibliques vraiment bien adaptés. Je commence ce programme de jeûne fin novembre et tout le mois de décembre pour clôturer l'année vraiment dans la présence de Dieu. Rentrant en Belgique, Dieu me met encore à cœur que je dois participer à ce programme de jeûne. Je me suis dit, hey, 40 jours quand même, c'est beaucoup, mais si Dieu me le dit, je vais le faire. J'ai prié et tout, là vraiment j'ai eu la confirmation que je devais le faire. Mais il faut savoir que dans cette génération, qu'est-ce qui nous empêche d'être concentrés et d'être productifs? Faut dire ce qui est. Il y a des gens qui savent bien gérer et tout. Moi, perso, j'arrive à gérer, mais des fois, ça peut vraiment être une distraction. Mon téléphone, c'est mon bureau, en fait. Tout ce sur quoi je travaille, c'est là-dedans. Ouais, Dieu. Dieu, c'est un scénariste. C'est le meilleur scénariste qui puisse exister. Une semaine avant que le jeûne commence, mon téléphone m'a lâché. Du jour au lendemain, genre, ça ne m'aimait plus. Je comprenais pas. Ça m'avait vraiment énervée parce que c'était vraiment arrivé à une période où j'en avais besoin et tout. Bon, j'en en ai toujours besoin. J'ai toujours eu des coups avec mes téléphones, donc je me suis dit, ça va aller. La journée passe, rien. 2 jours, 3 jours, 4 jours, j'ai fait ok Seigneur, j'ai compris. Donc en gros, c'était vraiment en mode pour que je me concentre. Et pour couper court, en gros, j'ai fait 1 mois et demi sans téléphone. Comment vous dire que ça m'a fait un grand bien? J'étais loin de tous les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, ça peut être bien, parce que moi, perso, des fois, je tombe sur des trucs qui m'aident, mais tout est que c'est nuit, en fait. Et des fois, on tombe sur des choses qui peuvent nuire à notre santé mentale, en fait. C'est là, j'étais déconnectée, donc vraiment, j'étais... au courant de rien. Avec la prière, je nourrissais mon esprit, mais j'étais déconnectée du monde. Oh, ça m'a fait un grand bien. Déjà,
Dieu a écarté mon téléphone. Donc, premier obstacle, écarté. Au début, je me disais, mais comment je vais faire sur le téléphone? Parce que j'ai la Bible en papier, mais souvent, quand je suis dehors, moi, je lis la Bible sur mon téléphone. Donc, ça, déjà, j'avais pas. Musique, n'en parlons même pas. Les deux seules choses qui m'ont manqué, c'était la musique. Et peut-être parler à mes proches. J'étais vraiment focus que sur Dieu, quoi. Ma vie, c'était vraiment école, église, maison. École, église, maison. Je captais personne, je n'ai capté personne. À chaque fois, je croisais quelqu'un dans la rue que je connaissais. Ah, t'existes encore, t'es encore en vie. Parce que je donnais pas de nouvelles. En plus, j'avais pas eu l'occasion de dire aux gens, ah oui, je serai plus sur les réseaux et tout, parce que mon téléphone m'a lâché soudainement. Alors, par rapport au programme, faut savoir que c'était un programme très très structuré. La prière, c'était chaque 3 heures, donc 6 heures, 9 heures, 12 heures, 15h, 18h, 21h, minuit, 3h et on recommence encore 6h. Quand tu fais un programme de jeûne, oublie ton sommeil. Ton sommeil, c'est pas ça ta priorité. Surtout la prière de minuit et de 3h, c'était les plus compliqués. À chaque heure, il y avait un point de prière avec des versets. Donc, c'était vraiment prière à fond, à fond, à fond. Pachata. Quand j'étais pas à la maison, je priais dans mon cœur. Parce que tu vois, quand t'es en cours et ton heure de prière arrive, tu peux pas prier à haute voix. Du coup, j'étais déconnectée au monde et voilà, je parlais à Dieu dans mon esprit. Donc, mon esprit parlait à Dieu. Quand je rentrais à la maison, c'était la fête parce que je savais que je pouvais être comme je voulais, prier comme je veux, sans que personne me dérange et tout. Je suivais le programme, c'était écrit, hein. Je suivais le programme sur mon ordi. Le programme a vraiment changé ma façon de prier et de voir les choses. J'avais déjà fait deux fois un jeûne de 21 jours, mais 40 jours, c'est toute une vie limite. J'étais partie au séminaire sur l'entrepreneuriat et le développement personnel. J'avais fait un vlog dessus, je sais pas, je vais vous le mettre quelque part là. Et là-bas, la personne qui tenait la conférence disait que pour adopter une habitude, ça prend de 30 à 60 jours. Et du coup, le jeûne que je faisais, il était 40 jours. C'était devenu une habitude. Dites-vous que quand j'avais terminé le programme, c'était tellement bizarre parce que j'avais toujours ces manières-là de prier chaque 3 heures. Donc, c'est comme si j'étais toujours dedans. Niveau alimentation, c'était pas de viande, c'était vraiment que vegetables, donc que des légumes. Donc en fait, ça dépendait. Ça, par exemple, c'était deux semaines que légumes. La semaine d'après, on pouvait prendre des liquides du style milkshake, bouillie, des trucs comme ça. Il y avait tout un programme. Vous savez bien, c'est pas toujours facile. L'ennemi va toujours essayer de combattre votre concentration et tout. Mais un truc que Dieu m'a dit, imagine-toi que la croix est devant toi et le monde est derrière toi. C'est-à-dire que concentre-toi sur la croix. Et je vous promets que ça m'a aidé d'une façon. À chaque fois que j'avais une petite pensée qui pouvait me distraire, direct j'imaginais la croix devant moi. Et ma concentration dans la prière, elle revenait d'un coup. Ah, j'ai grave aimé. Franchement, j'ai eu certaines confirmations sur des choses sur lesquelles j'avais des doutes. Donc c'était à base de moi et Dieu, Dieu et moi. Après, bien sûr, vous savez que quand tu sors de ce genre de programme de jeûne, c'est là que la vie réelle reprend. Donc c'est là qu'il faudra montrer que tu es un vrai chrétien. Et c'est là que l'ennemi va te combattre. C'est là que tu vas devoir prouver que ouais, I'm a child of God. Donc bien sûr c'est pas facile, mais il faut maintenir le rythme. Sinon quand tu reçois beaucoup comme ça, tu peux tout perdre. Il faut être régulier. Quand t'as la victoire sur quelque chose pour lequel t'as lutté pendant longtemps, la victoire elle est succulente. Moi c'était une victoire pour moi parce que comme je l'ai dit, je luttais un peu dans la prière avant ça, dans le sens où des fois j'arrivais pas à prier. Et ça m'a grave libérée, ça m'a fait du bien. J'étais grave bien entourée, j'ai mes parents, j'ai plusieurs pasteurs autour de moi, j'ai mon mentor. Mais le truc c'est que tous ces gens peuvent prier pour vous, mais le travail vous devez le faire vous-même. On peut avoir des mentors, des références, mais vous aussi vous devez prier. Parce que je vois souvent beaucoup de gens courir vers des prophètes, des pasteurs pour de l'aide. C'est bien, ils sont là pour ça. Mais toi aussi tu dois faire ta part. Si tu ne fais pas ta part, Dieu va pas te parler. Il ne va pas t'exaucer. Tu n'auras pas cette relation qu'il attend que tu aies avec lui. Ça m'a vraiment aidé à faire les choses moi-même, par moi-même. Tu vois, pas toujours s'appuyer sur les autres, mais faire les choses par toi-même, c'est très important. Ça fait aussi partie de la responsabilité, être autonome, être indépendant. Chers amis, quand vous laissez le contrôle total à Dieu, il peut que vous épater. Souvent, on veut tout faire par nous-mêmes, mais il y a un Dieu, il a une volonté pour nous. C'est lui qui nous a créés, donc c'est sur sa volonté qu'on doit s'appuyer. Amine, c'est sa volonté qu'on doit suivre. Un petit exemple, tu crées une entreprise et un des travailleurs, il veut lui diriger l'entreprise comme lui veut. Non, c'est toi qui as créé, c'est toi qui commande, c'est toi qui décide, c'est toi qui as eu une vision par rapport à cette entreprise-là, donc tes travailleurs, ceux qui travaillent sous ton autorité, ils doivent respecter tes ordres. Mais c'est la même chose avec Dieu. Déjà, Dieu, il est bon parce qu'il force personne. Donc, il y a la volonté parfaite, il y a la volonté permissive. Donc, si tu veux, tu suis le plan qu'il avait déjà fait pour toi. Soit tu fais ta route toi-même, mais après, voilà, il y aura des retombées, il y aura des conséquences et c'est à toi d'assumer. Moi, une de mes prières, c'est vraiment être une source de bénédiction pour ceux qui m'entourent. En fait, dernièrement, une fille avec qui je suis devenue très pote, en fait, elle m'a dit dernièrement qu'un jour, elle traversait une situation très, très compliquée. Et je lui ai envoyé un message qui l'a vraiment fortifié, qui l'a redonné de la motivation, de la force. En fait, je vous explique. Un jour, j'étais en train de dormir et au plein milieu de la nuit, je vous promets, comme un film, d'un coup comme ça, je me réveille.
je prends mon téléphone, je commence à écrire un message à la fille là que je vous ai dit. Moi franchement, sincèrement, je savais même pas pourquoi j'étais en train d'écrire. Je savais pas qu'elle traversait une situation difficile dans sa vie, donc c'était clairement Dieu. J'ai écrit vraiment un petit mon texte quand même. Donc je l'ai écrit, puis je me suis rendormie. Et quand je me suis rendormie, j'ai fait un rêve par rapport à elle et tout. Bref, c'est passé. Maintenant, il y a quelques temps, beaucoup de temps après que je lui ai envoyé le message et tout, elle m'a fait « Ouais, tu sais que tu m'as sauvé la vie et tout, je traversais une situation très compliquée et le message que tu m'as envoyé m'a grave fortifié et tout et tout. » Moi, dans ma tête, je me disais « Ah, qu'est-ce que je t'ai envoyé encore ?» Après, je me suis rappelé qu'un jour, oui, dans la vie, j'ai envoyé un message à telle personne et tout. Je me suis dit « Hey, c'était épatant, tu peux utiliser... » « Did you just use me to bless someone ? To help someone ?» Non, Dieu il est grand, Dieu il est grand, Dieu il est grand. Et j'étais trop contente. En fait, Dieu il part tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire qu'il peut utiliser qui il veut pour bénir qui il veut. Moi déjà, Dieu met des gens incroyables sur mon chemin, des gens qui me mettent bien. Quand je dis mettre bien, c'est pas forcément dans le matériel, mais c'est aussi des gens qui vous apportent une petite parole, ça va vous aider, vous encourager, vous aider à prier dans une direction, avoir un point de prière spécifique. L'entourage c'est vraiment très important les amis, l'entourage c'est vraiment très important. Entourez-vous de bonnes personnes, utiles. Utile c'est pas que utile genre il va t'acheter un cadeau, non je parle pas de ce genre d'utilité. Je parle d'utile, des gens qui vont vous donner des bons conseils, des gens avec une bonne âme. Parce que les mauvaises âmes corrompent les bonnes mœurs. En fait un tri de temps à autre hein, parce qu'il y a des fois des gens qui s'incrustent, vous savez bien. Mais voilà, Dieu est au contrôle, ça va aller. Ça va s'arranger. La liste des choses qu'il y a à faire est longue et faut pas perdre du temps. En ce temps de confinement, c'est pas facile d'être productif. Je vous en parlais dans une autre vidéo comment moi je fais pour rester productif dans ce temps de quarantaine, confinement. Pour clôturer, ce programme de jeûne de 40 jours m'a clairement fait du bien. Ça m'a fortifié, ça m'a permis d'avoir un temps vraiment où j'étais que concentrée sur Dieu et pas sur autre chose. Mon année 2019 était totalement claquée au sol dans le sens où j'étais pas bien. Mais fin 2019, Dieu a tout changé. Je sers un Dieu qui peut agir même à 23h59. C'est-à-dire que avant la fin vraiment, quand t'as déjà plus d'espoir là, il peut venir changer les choses. Mais c'est toi tu dois être disposé à recevoir. Moi je t'ai disposé, Dieu m'a fait grâce. Jamais de ma vie j'aurais cru faire un long programme de jeûne comme ça. Mais Dieu m'a fait grâce, sa volonté s'est faite. Encore une fois de plus vu qu'il est puissant. Et j'aimerais terminer en disant ceci. Pardonner sans condition. Le manque de pardon nous bloque d'avancer. Quand tu ne pardonnes pas, c'est que toi qui es perdant. Bien sûr, c'est vrai qu'il y a des choses des fois qu'on nous fait qui foutent le seum, qui nous énervent. Moi perso, des fois, ça m'arrive très souvent de m'énerver et tout. Mais je pardonne très facilement parce que le manque de pardon, c'est un désavantage que pour moi, pas pour la personne qui m'a fait du mal. Toi, t'es là, t'as le seum sur quelqu'un, tu détestes quelqu'un qui a déjà oublié, qui fait sa vie. Il faut aussi pardonner même quand on nous a pas demandé pardon. Quelques temps avant le confinement, on a reçu ce message à l'église. Ah, c'était un vrai message. C'était un vrai message. Et. Non, non, c'était vraiment un vrai message. Parce que le pardon, c'est vraiment un truc que beaucoup de gens luttent avec. Bléba. C'est vrai que c'est pas facile de pardonner. Il y a des gens, ils nous font vraiment du sale et tout. Mais il faut pardonner. Imaginez Dieu qui voit tout. Nous, on voit pas tout. Parce que des fois, on fait un truc, on sait même pas, on est même pas au courant. Mais Dieu qui voit tout, il nous pardonne tout le temps. Et toi, tu crois que quand tu pardonnes pas à quelqu'un, tu vaux mieux que la personne? Non, il faut seulement pardonner. C'est pas facile tous les jours. Il y a des gens qui sont méchants. Oui, ça ne changera jamais. T'es méchant, moi méchant, méchant. Ils font aussi partie de la vie. Jésus les aime aussi. Les méchants existeront toujours. Faisons avec. C'est comme ça. It is what it is. It is what it is. Tant que tu fais ta part, c'est le plus important. Toi, pense pas à oui, mais si je pardonne, je vais passer pour une bête go, un bête type. Il n'y a pas de souci. La vie des gens, au final, c'est quoi? C'est que des paroles. C'est ce que Dieu dit de nous qui est le plus important, non? Demander pardon n'a jamais tué. On dit souvent que ouais, les autres nous font ceci, cela, mais par moments, c'est nous aussi on fait du mal aux gens, consciemment ou inconsciemment. Donc c'est aussi important de demander pardon, bien évidemment. Je remercie vraiment ma famille, les gens qui m'entourent, de m'avoir encouragé, mon mentor, tous les pasteurs qui sont autour de moi. Je vous encourage, continuez sur le bon chemin. Et si vous faites des erreurs, relevez-vous. Tout ce qui est documents, toutes les références et tout, je vous mettrai ça en barre d'infos. C'est sur cette note que je vais vous laisser. C'était un plaisir pour moi de tourner cette vidéo. J'espère que cela aidera ou édifiera plusieurs d'entre vous. Prenez courage, c'est pas facile ce confinement. Mais voilà. Courage. Courage. Que Dieu vous bénisse et on se dit à la prochaine. Jesus is my 24 hours.